On va maintenant présenter Martin Leonard, président de KEGS et de Haas et doyen des études à Dalhousie University. Bienvenue à tout le monde, où que vous vous trouvez dans le pays. C'est un plaisir de vous accueillir dans la session plénière de jeudi qui s'appelle donc les degrés de succès, l'exploration des expériences des étudiants qui rentrent dans le marché du travail, qui est organisée par l'association des académies qui viennent d'émettre un rapport sur l'expérience des euh, diplômés en doctorat. On a écouté Elizabeth Cannon, qui est présidente de, du panel des experts et de la session plénière aujourd'hui qui euh, a traité ce thème très pertinent pour nous. Je vais maintenant présenter le Dr Eric Meslin, qui est le président et le PDG du Conseil canadien pour les académies universitaires. À vous la parole, Eric. Merci beaucoup, Marty. Marty. Et merci pour cet accueil chaleureux. Merci aussi à l'Association des études canadiennes d'éducation supérieure. Pour que notre évaluation euh, se... Euh, dissémine vers un, un, un public beaucoup plus général. On va parler un peu du CCA et de son fonctionnement. Nous existons depuis 2005. Euh, nous faisons des évaluations, des évidences sur des thèmes de politique éducative importantes, sur la demande en général du gouvernement de, du Canada que ce soit pour le secteur de l'énergie ou médical. Nous sommes une organisation qui fait une chose. On commence toujours notre travail par un questionnement et cette question évolue en faisant appel à des experts et les meilleurs esprits du monde entier et parfois des gens que vous connaissez, qui vous sont familiers depuis vos organisations. Euh, il y a un revu par les pairs et à la fin, nous émettons une publication en anglais et en français et c'est une publication gratuite disponible sur notre site web. Mais chaque évaluation commence par une question. Dans ce cas, la question est, nous a été donnée par le ministre de l'innovation de la science et du développement économique avec le soutien de Inserp short et et Employment Development Canada. Le panel a reçu cette charge. Quel est le principal défi que les étudiants doctorants au Canada font face dans la transition vers le marché du travail et quelles sont les différences dans les différentes expériences, dans les différents marchés, marchés d'emploi? Quels sont les défis uniques que les doctorants travaillant au Canada font face en lançant leur carrière au sein de l'université Quels sont les défis uniques des doctorats euh, quand ils lancent leur carrière à l'extérieur de l'université Et finalement, quelles sont les motivations clés dans la migration des diplômés en doctorat à l'intérieur et au dehors du Canada est-ce que la circulation savante est simplement une partie d'une économie basée, une économie savante ou est-ce que c'est un manque d'opportunités pour les diplômés doctorat Donc le panel devait répondre à cette question. Qui faisait partie de ce panel Donc le panel des experts sur la transition sur, vers le marché du travail pour les doctorants regrouper des experts de fonds euh, différents. Les douze experts ont fait venir leur expertise en sociologie, éducation, administration de l'université, le pro développement professionnel et le secteur industriel, parmi d'autres, la science. Il y avait des diplômés récents en doctorat, par, par exemple Tina Grosso et euh, et Brian Gopal qui pouvait parler de l'expérience récente sur le marché du travail après avoir été diplômé. Brian Gopal avait un ajout très euh, intéressant sur euh, le fait qu'il était devenu agrégé à l'université de Rochester, c'est-à-dire à l'extérieur du Canada. Salim Bankali est agrégé à l'université de Nagal et a amener une perspective francophone et des, 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 des rapports sur les francophones dans les universités du Canada. Un, C'est un groupe que le CCA est fier d'avoir soutenu. Avant de passer le microphone à l'intervenant principal, je veux faire quelques euh, rappels sur euh, l, des notes d'intention sur les questions et réponses. Si vous. S'il vous plaît, rappelez de placer vos questions dans la boîte de questions et réponses en bas de votre écran au lieu de les réserver pour la fin de la session. Notre équipe va les relever, va les grouper et va les identifier pour les offrir en réponse. On ne promet pas une réponse à toutes les questions, mais on va faire de notre mieux. Ça dépend un peu de ce que vous voulez savoir et notre capacité de réponse. J'espère que vous pouvez apprécier le fait que le plus grand volume de questions va améliorer la qualité de cet échange. Maintenant, j'ai le, euh, le plaisir de présenter Dr. Elizabeth Cannon. Euh, elle est connue d'un bon nombre d'entre vous. Elle est associée à AS. Elle est présidente de l'Université de Canada, Royal Society of Graduate Studies in Canada, une experte en politique, et on est très heureux de la voir à la tête de ce panel. À vous la parole, Elisabeth, pour partager avec nous vos savoirs et vos découvertes. Merci, Eric. C'est un plaisir d'être avec vous. J'ai l'honneur de présenter ce que nous avons trouvé et de la part des, du, du, du panel d'experts. Euh, merci, As, pour avoir organisé ce panel et du soutien du CCA, du CAC. C'est un processus magnifique. On est fiers de pouvoir faire cette intervention et de partager avec vous nos découvertes. La prochaine. Donc je, vous, je veux d'abord présenter le, le cadre existant dans le monde des éducations supérieures et des doctorats au Canada. Ceci commence avec le point de vue qui est la suivante. Les diplômés doctorants amènent des connaissances très valorisées, très appréciées dans un grand nombre de secteurs de nos pays. Ils sont créatifs, ils sont résolus, ils résoudent les, les problèmes. Et sont, ils maintiennent le niveau de concurrence, particulièrement quand le, à ce moment où le Canada va vers des industries, des secteurs très concurrentiels. C'est une politique de l'ONDC de notre pays et d'autres pays, bien sûr. Dans ce contexte, nous savons que beaucoup de doctorants font face à des de, de, de défis significatifs après leur diplôme. On va voir quelques éléments sur où ils se rendent dans leur vie professionnelle et d'autres facteurs qui contribuent à une sous-utilisation des doctorants dans le monde, dans le marché du travail. Ceci a soulevé des questions très pertinentes pour les étudiants et pour la société canadienne sur la valeur de la formation euh, en doctorat pour S'assurer que leur contribution est appréciée et le mieux réalisée dans la société et la vie canadienne. On veut aller en profondeur dans les défis spécifiques auxquels font face les diplômés et doctorants en faisant la transition entre l'université et l'environnement du travail. Le rapport ne contient pas de recommandations. Ça ne fait partie du processus du CAC. Euh, pour, en soi, mais il y a une réflexion et nous pensons que ce rapport va entamer une série de réflexions, de, de groupes de réflexions sur la base euh, en relation avec As. Dans la communauté des cycles supérieurs, avec le gouvernement, l'industrie en général, les gens devraient regarder ce rapport pour avoir un guide pour comment appuyer des évolutions futures. Quand le panel avait entamé son travail en mai 2019, euh, nous n'avions pas euh, considéré la COVID. Euh, ce n'était pas pris en considération parce que ce n'avait pas encore commencé. Donc, ce n'est pas inclus dans le rapport euh, tel que vous le voyez ici. À la fin de ce rapport, j'espère que vous avez trouvé que c'était un travail rigoureux. Nous sommes fiers du travail pour encadrer tout cet effort. Il y a quand même des efforts de recherche originales qui ont été intégrés à ce rapport. Pour ce qui est de la structure du rapport, donc, ça se base sur les réunions du panel. Et comme j'ai dit, ça a commencé, débuté en mai 2019. C'était. Euh, des réunions virtuelles sur deux jours. Il y avait une recherche originale qui avait contribué une analyse de Ross Finney sur la relation avec le marché du travail, le trajectoire et les revenus des doctorants dans leurs cinq premières années de travail. Nous avons aussi regardé donc euh, en, en deçà de ces sujets, nous avons regardé les recensements, les données des recensements, des revues par les pairs grâce aux dix experts qui nous ont donné une rétroalimentation que nous allons voir dans les graphiques euh, intégrés au rapport. On a aussi regardé les recherches, la littérature grise d'une source de sources très diversifiées, de parties prenantes, des enquêtes. Euh, de la, de, des recherches dans d'institutions très variées qui ont été prises en considération. On voulait ce, pas seulement des données quantifiées, mais c'était très important pour le panel d'illuminer le vécu des étudiants et des récents diplômés. La chose la plus intéressante dans ce rapport, c'est que pour ce, nous qui avons des... Doctorat, nous, nous avons tous des anecdotes, des histoires particularisées. On voulait capturer cette essence, l'histoire des anecdotes de doctorants qui ont connu des défis, qui euh, ont dû lutter, d'autres qui sont toujours en, en train de trouver leur voie. On voulait capturer un peu cette, euh, cet effort parce que ça fait partie de la complexité au-delà des nombres, des chiffres, des statistiques. Dans le chapitre numéro 2, on a parlé du contexte, de l'historique des institutions, des, du financement des institutions. Le troisième chapitre regarde les expériences actuelles et les défis euh, euh, parmi les boursiers, le, la culture académique. Le chapitre numéro 4, la capacité parmi les secteurs qui reçoivent les demandeurs d'emploi. Et si les doctorants sont diplômés avec des compétences qui sont recherchées par les euh, recruteurs, surtout dans le contexte actuel. Et le chapitre 5, c'est le marché du travail et les aboutissants pour les, euh, les opportunités pour les doctorants. On regarde les salaires, les opportunités, les retours économiques euh, obtenus par les doctorats et s'ils sont différents. Des, dans, avec d'autres diplômés, d'autres cohortes. Le chapitre numéro 6 euh, euh, s'attaque au, euh, aux, aux étudiants internationaux et aux échanges internationaux. Pourquoi les Canadiens décident de rester au Canada euh, C'est un aperçu de l'avenir, les pratiques en vue aujourd'hui qui sont en train d'être mises en œuvre. Certains au Canada, certains adaptés à, à l'international, et de tenter d'illuminer quatre secteurs qui sont vraiment euh, ceux qui nous donnent un certain dynamique, un certain souffle dans ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce thème. Et il y a le chapitre numéro 8 qui sont les conclusions. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, pour ce qui est des, euh, des rapports. Euh, on veut voir les diplômés en doctorant au Canada et l'évolution sur le temps. Nous avons vu dans ce pays et certainement dans d'autres pays qu'il y a des euh, on veut augmenter le nombre de personnels qualifiés et les institutions au sein de notre université pour un nombre de raisons. Alors, on s'attendait à une carence de doctorants pour le marché euh, universitaire, dû aux retraites, pour remplacer ceux qui euh, partaient. Deuxièmement, euh, c'était pour donner à l'industrie des innovateurs qui pourraient adresser la, le manque de productivité dans certains secteurs, l'innovation et la productivité. Donc. Et troisièmement, pour donner des chercheurs pour faire partie des programmes, des projets de recherche à la, au sein des universités. Euh, les doctorants sont critiques dans ces efforts de recherche pour pouvoir contribuer à la recherche. Le défi avec les doctorants au Canada est qu'il n'y a pas assez de postes dans les universités d'après les données. Euh, mais aussi euh, en dehors euh, du domaine des universités, comme euh, vous pouvez le voir, nous avons ici un nombre qui augmente dans, aussi la capacité de réception et connaît euh, la même tendance. Ceci euh, montre le nombre de doctorants à travers le temps. À partir de 2011, nous avons ici le nombre des, des diplômes. Euh, de doctorat pour les étudiants canadiens. Et ce que nous constatons est, est une augmentation. Euh, nous avons une augmentation pour 2006. Alors, en fait, le nombre de doctorants s'est accru rapidement et aussi en fonction de la population vieillissante du Canada. Et nous avons un taux euh, qui dépasse celui des bacheliers et euh, c'est presque le double donc seulement pour euh, vous mettre en perspective le Canada euh, a un classement euh, très bas euh, en fonction de ses euh, partenaires euh, chez l'OCDE en comparaison avec l'Australie nous avons un rapport nous devrions euh, doubler le nombre de diplômés pour euh, nous comparer avec l'Australie donc oui nous avons euh, connu une augmentation importante mais ceci euh, reste à, à considérer en fonction des autres pays donc un aspect très intéressant ici, c'est euh, la croissance des doctorants et comment cela s'équilibre avec les opportunités dans la communauté des universités. Cela montre euh, et, bah, les voies. Euh, à des postes euh, ouverts à des postes ouverts dans le même euh, dans le même temps donc nous avons euh, des postes et vous pouvez voir ici à une augmentation qui se sont doublées à partir de 2009 et, à, nous avons entre 40 et 41 euh, nouvelles euh, voies d'entraînement de, donc euh, nous avons les trois lignes colorées qui montrent le classement euh, euh, de ces euh, postes chez les universités et aussi euh, je voudrais euh, que nous nous concentrions sur euh, la ligne rouge qui est le niveau d'entrée pour les nouveaux postes dans les universités. Donc, nous avons une inflexion vers 2008-2009 et ceci a continué à baisser dès lors. Donc, voilà, nous cherchons à faire une promotion de l'association et il y a des postes qui restent ouverts et je parle ici des postes durée euh, indéterminée pour les doctorants. Donc, ici, nous, ceci est important parce que cela montre qu'il y a une, euh, une contraction dans les postes pour les doctorants, mais aussi, je devrais dire, et nous le savons bien dans le secteur des universités, euh, pour euh, et les destinations académiques, dans la plupart euh, des cas, c'est comme ça, non seulement pour les doctorants du Canada. Euh, ont des postes ouverts à 10 ans, mais ici, nous, nous sommes dans une concurrence, disons, dans des compagnies à l'international. Donc, c'est un résultat très important. D'après moi, cela montre les opportunités dans le secteur des universités et dans une période de 10 ans. En termes... Euh, d'où euh, se trouvent les doctorants, euh, donc 25% dans une période de 10 ans et 25% dans d'autres domaines, euh, post-doctorat, saisonnier des postes administratifs euh, au sein des institutions euh, universitaires. Ceci est, est, vient, euh, disons, d'un membre. Et euh, non, ce n'est pas seulement l'expérience académique, il n'y a pas de cordes, il n'y a pas d'association et c'est une, ben, une terre vide entre la faculté et les élèves. Donc, euh, il y a quelque chose qui, euh, au quoi, à laquelle nous nous attendons dans euh, beaucoup de domaines, mais cela montre que ce n'est pas nécessairement euh, le cas. Donc, euh, que ce soit euh, des professeurs vacataires, euh, des cours euh, de licence. Donc cela euh, provoque euh, une pénurie euh, d'emplois et de, un, senti, un ressenti de ne pas faire part de la communauté euh, et universitaire de façon générale. Parfois, nous pouvons avoir les doctorants qui... Euh, entre dans cet environnement de pénurie. Nous avons des périodes courtes d'emploi qui n'aboutissent pas à des postes à durée indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dehors de cet environnement académique? Bon, ici, on n'a pas vu une augmentation du besoin des doctorants, donc nous avons des enquêtes. PIO, MBO et d'autres, euh, euh, et les données de LM dont je vous ai déjà parlé. Donc euh, nous pouvons recueillir ces données pour euh, comparer avec euh, les autres cas, mais en euh, euh, considérant euh, ceci, nous voyons qu'il y a 20 à 25 des qui arri arrivent au secteur privé. Le reste, vous pouvez voir à partir de ce diagramme, arrive au, euh, dans le domaine public et le travail indépendant ou à euh, euh, but non lucratif. Donc, euh, si nous passons à la diapositive suivante pour le secteur privé, je vous montre une diapositive qui est, avec laquelle vous êtes peut-être bien familiarisé, mais il y a ici. Euh, une partie pour l'activité industrielle et aussi la capacité de réception des doctorants et aussi les dépenses de, et le pourcentage en fonction du PIB. Donc, ces trois lignes que vous voyez ici, la ligne bleue en milieu, c'est le pourcentage en moyen pour l'OCDE, la ligne bleue, c'est les États-Unis et la ligne rouge est le Canada. Donc, ce que vous pouvez voir ici de façon très importante est que euh, euh, bon, le Canada bah, a un peu plus bas en fonction du PIB en 2008. En fait, à partir de cette année-là, nous connaissons un, un déclin constant, donc 2,6 en 2018. Et. En fonction des États-Unis, qui est de 2,8%. Donc, ce que ceci euh, entraîne est que les dépenses canadiennes connaissent un, un déclin et ceci est évidemment euh, pas de euh, bonne nouvelle. Donc, nous devons être à même de contribuer de dans les connaissances euh, des industries euh, lourdes donc quelque chose qui est unique au Canada c'est où euh, se trouve le euh, euh, bon euh, la recherche et et euh, le développement donc euh, la plupart se trouve dans euh, les affaires nous avons aussi des moyennes de 70% et cela cela veut dire pour le Canada que nous avons une façon plus lourde de mener les activités de recherche et de développement dans notre pays. Donc, ceci est en fonction d'autres juridictions. Et parce que cela entraîne une dynamique de la capacité de réception du secteur, l'industrie a un pourcentage plus bas en fonction de l'industrie et d'autres juridictions. De nouveau, nous avons ici des défis pour la capacité de réception des doctorants dans d'autres domaines. En termes du marché du euh, travail et ses résultats, les doctorants vont varier euh, en fonction de leur genre, leur discipline. Nous connaissons que le retour économique en doctorat est euh, plus bas pour les euh, jeunes doctorants en comparaison aux euh, doctorants en général. Donc, euh, et nous avons euh, d av euh, un niveau plus élevé pour les femmes euh, en termes de euh, salaire. Donc peut-être à cause du euh, fait qu'il y a des, euh, des postes à temps euh, plein euh, plus euh, considérables. Donc euh, il y a aussi une brèche entre les hommes et les femmes euh, qui euh, se comble. Donc euh, les femmes sont toujours virtuellement euh, moins que les hommes. Donc euh, voilà. Aussi nous pouvons voir que la brèche entre les salaires les plus bas et les plus hauts euh, s'est euh, comblée au cours des euh, dernières cinq années et les doctorants plus jeunes ont euh, un. Niveau, on se trouve à peu près au même niveau que les jeunes diplômés. Et cela montre la croissance des salaires après avoir complété des études de doctorat. Et ceci est divisé par cohorte. Ce que vous pouvez voir ici, c'est en haut, vous pouvez voir une énorme variation entre les différentes disciplines. Et les doctorants en affaires, par exemple, euh, commence à un niveau plus élevé que les autres disciplines et à partir de cela, ça commence à augmenter. Nous voyons ici au euh, niveau des disciplines, euh, disons, euh, la génie, les mathématiques, les sciences, et la santé, l'éducation, ils ont euh, tous des salaires similaires. En bas, vous avez des, doctorés, des doctorats en sciences, euh, probablement parce qu'ils travaillent dans des postes plutôt transitionnels. Et, et cela avant de devenir un membre de la faculté à temps indéterminé. Donc, nous avons ici les humanités, les sciences après cinq ans. Il y a aussi pour les doctorats qui gagnent davantage que les diplômés d'un master, ce sont les sciences et, et qui ont à peu près les mêmes salaires au cours des cinq premières années. Ici, nous continuons à voir le retour à l'économie d'un doctorat. Ceci est défini par le salaire, s'ils sont plus bas, plus haut. Et la comparaison entre les doctorats et les masters, ceci est divisé aussi par sexe. Nous avons exclu les MBA, les Masters en Business. Et... Et cela sera montré dans et, et la présentation des résultats généraux. Donc, la population des doctorants, mais en, en, non seulement, mais aussi des doctorants de moins de 40 ans. Et si nous considérons et, le diagramme d'en haut pour les hommes, l'espace gris et où nous trouvons la valeur euh, de, du doctorat et qu'elle est, qu est plus importante que euh, celle du master. Nous avons analysé trois euh, census 2006, 2011 et 2016. Lorsque nous considérons les opportunités et, et, et leurs coûts, nous, nous parlons ici de l'épargne pour continuer euh, à, et, à, et faire des études de, de doctorat après le master pour les hommes en, en 2006. Si vous voyez la ligne jaune, en comparaison avec la ligne rouge, cela a pris 8 ans pour. Euh, avoir l'épargne dont on a eu besoin pour un master en 2016, la ligne rouge. Euh, nous avons ici une augmentation à 16 ans pour ceux qui euh, ont dû s'arrêter avec un niveau de master. Donc cela suggère et cela montre à travers les données que le. Euh, la rétribution euh, est devenue euh, plus longue pour euh, les hommes, non, de ce, que, de ce que cela a été en 2006. L'autre diagramme est pour les femmes et la dynamique est différente. Euh, les femmes. Euh, disons, qui n'ont qui pas commencé à travailler directement dans le secteur. Donc, ils ont commencé plus bas dans la ligne rouge. Vous pouvez voir la valeur pour les femmes qui font des études de master en, en comparaison avec le doctorant. Nous avons ici et le retour économique, bien sûr, pour le doctorant. Nous savons, lorsqu'il entre dans le marché du travail, il ne faut pas oublier et que l'épargne en général est plus bas pour euh, est plus bas pour euh, les femmes que pour les hommes. En termes de culture académique. Nous avons trouvé ce qui pourrait soutenir ou devenir un obstacle pour la transition et des doctorants vers le marché du travail. Et la valeur de la culture académique, nous connaissons les normes, les comportements et l'environnement académique. Cela peut créer un environnement pour des gens qui partagent des intérêts et les permettre de collaborer, de développer et de partager des idées. Pourtant, il y a des aspects de cette culture qui posent d'énormes défis pour ceux de, qui ne veulent pas rester dans les universités ou qui ont l'impression euh, d'avoir euh, choisi le, la mauvaise carrière. Donc, et les étudiants... De, et, des doctorants ont des niveaux d'anxiété plus élevés dans toute la communauté étudiante. Et, et aussi, nous avons des problèmes de santé mentale et le syndrome de, du burn-out. Donc, essayer d'équilibrer de, les demandes croissantes euh, du travail avec celles de la vie privée. Donc, nous savons surtout pour les sciences et euh, d'autres euh, disciplines, les expectatives. Euh, euh, et de passer beaucoup de temps euh, au laboratoire, comme ça on peut contribuer. Mais dans les sciences sociales, nous avons des facteurs associés à l'isolement et dans, dans la recherche. Euh, ces problèmes de santé mentale peuvent euh, aller au-delà euh, de la promotion et cela affecte aussi la transition au marché du travail. Donc voilà la culture académique euh, pour les différents programmes et, et, et elle est très importante parce que nous avons quelques doctorants. Et quelques étudiants de doctorat qui se trouvaient dans un environnement où ils se sentent que la réussite est, est, disons, est un rendez-vous à 10 ans et, et sinon on pourrait échouer. Donc cela va provoquer beaucoup de stress dans le système et des étudiants qui vont subir les conséquences négatives de ce système. Donc. Et je crois que ce phrase va récapituler ce que je viens de dire. Non, et la faculté qui n'est pas contente va se filtrer vers nous. Ils ont, ils avaient le pouvoir de nous rendre euh, malheureux. Donc, nous savons que qu doctorat influence euh, et d'un doctorant et, et d'un conseiller de, de doctorant est énorme. Donc, euh, le guider vers euh, la réussite académique, mais aussi les expectatives euh, et les ambitions euh, académiques. Beaucoup. Euh, de professeurs ont été formés dans cet environnement et ils sont préparés, mais parfois ils n'ont aussi pas prêt à aider les élèves à faire cette transition vers des domaines qui ne sont pas académiques. Donc, nous avons ici des approches dans la façon dans laquelle ceci va s'encadrer vis-à-vis des opportunités dans le secteur non académique. En termes d'élargir euh, euh, le nombre de doctorats, des doctorants, donc, et aussi euh, pour les mettre en considération des futurs euh, employeurs, il y a ici euh, euh, un manque de correspondance euh, par rapport à ce que les employeurs cherchent. Et nous avons ici... Euh, bon, il y a des gens qui ont beaucoup d'emplois, de, ils ont besoin de d'une capacité de transférence de capacités. Donc nous avons ici des diplômés qui ont un sens très clair de leurs connaissances, mais il y a ici un manque de sensibilisation vis-à-vis -vis des habilités. Donc oui, le secteur reconnaît que nous avons des connaissances très spécialisées chez les doctorants, mais parfois il y a un manque de, de, de capacité d'adaptation et de communication. Même la capacité de collaborer avec différents acteurs ou d'incorporer différentes perspectives à travers euh, et, un, les limites du secteur sociétal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, Canada, nous parlons euh, de, cette, de ce manque de correspondance dans les capacités et en même temps, lorsque nous parlons euh, des doctorants euh, qui font face à des défis pour euh, leur entrée dans le marché du travail. Et pour euh, euh, considérer ceci, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas pourquoi je suis euh, bon, je n'ai pas encore euh, compris euh, que ce que j'avais imaginé ne va pas, euh, ne va jamais se passer. Nous savons que pour beaucoup de ces doctorants et étudiants de doctorat, bon, euh, ils arrivent très tard euh, dans le programme ou même ensuite, après l'issue de leurs études, non et, et, et et il se rend de compte que ce qu'il euh, s'attendait ne va pas se produire. Donc, la recherche d'emploi euh, hors euh, le Canada ou les, euh, les étudiants euh, internationaux qui arrivent au Canada, cela nous permet de voir euh, qu'il y a des euh, brèches de données et que je peux signaler ici. Nous savons euh, que la proportion euh, des doctorants dans les institutions euh, canadiennes et les étudiants euh, internationaux euh, commence à s'accroître. Euh, à partir de 2016, ils sont plus mobiles que les élèves nationaux. Ils viennent, ils, ils déménagent au Canada pour leurs études. Ils sont plus mobiles même après leur promotion, à cause bah, du fait de leur contexte international. Donc. Euh, euh, et aussi euh, par rapport aux disciplines qui font euh, l'essentiel de leurs études et, et les positions et les postes dans euh, les universités il y a beaucoup ou dans le monde académique il y a beaucoup de données dans ce sens donc nous voyons qu'il y a des enquêtes qui nous permettent de voir que les motivations principales sont le prestige euh, d'avoir euh, passé euh, dans euh, dans une université internationale dans un centre de recherche international et cela va leur permettre d'avoir euh, un poste euh, académique euh, plus tard donc euh, cela permet aux élèves de Canada de quitter le marché euh, académique et cela du fait euh, qu'il y a un, un nombre suffisant d'opportunités euh, de haute qualité au Canada et dans la plupart des cas ils euh, euh, déménagent aux États-Unis. Donc une petite euh, citation alors que j'aimerais bien travailler au Canada, les opportunités en sciences et les salaires aux États-Unis reflètent les priorités que les États-Unis donnent et les valeurs qu'ils mettent sur la science en comparaison avec le gouvernement Makabara et les industries. C'est une enquête qui a été faite par une enquête CAC par un étudiant qui est parti aux États-Unis. Donc là, c'est le chapitre 7 les euh, pratiques les plus prometteuses et les approches les plus prometteuses, donc une dynamique qu'on tente de capter au sein des institutions, euh, dans le gouvernement et dans l'instructeur. Et on a fait donc quatre secteurs, on a ventilé dans quatre secteurs. Donc c'est moderniser le programme, la conception du programme doctorant et la culture académie, académique euh, en revoyant la thèse classique. Euh, et, ou des éléments de la, qui composent la thèse, c'est aussi un aperçu de euh, comment on peut plutôt vraiment se pencher sur l'étudiant, non seulement regarder ce que fait le superviseur, mais vraiment s'axer sur l'étudiant, le mettre au centre de la, des préoccupations. Et donc il y a beaucoup d'initiatives sur ce genre, le CSC n'en est qu'un. L'autre, c'est soutenir les superviseurs. Donc une fois de plus, c'est tenter de soutenir le superviseur qui, pas, qui manque peut-être l'expérience personnelle. On est en dialoguer avec les doctorants sur leur espoir de carrière. Il y a des situations par exemple où un doctorant a deux superviseurs, donc plus, Il aura une influence qui, qui est doublée par le nombre de superviseurs et suivie non seulement par le superviseur, mais par l'institution. Et troisièmement, notre, nos initiatives de transition augmenter le soutien aux étudiants et aux diplômés, aux titulaires. Il y a Insert Create, le programme MyTax, Work Integrated Learning un nombre de programmes existants. Qui tente de renforcer la relation entre les doctorants et les diplômés et les employeurs potentiels pour que les employeurs puissent mieux comprendre la, la valeur ajoutée des doctorants, ce qu'ils amènent, qu'ils mettent sur la table et comment bien cadrer leur expérience, l'expérience des doctorants pour les rendre plus désirables envers le secteur du marché. Et quatrièmement, c'est des programmes ciblés pour augmenter l'attrait envers les employeurs pour les employeurs non académiques, les gouvernements, les leaders pour augmenter les politiques d'embauche, regarder les thèses, les, les programmes de doctorat, créer un, des, des laboratoires de création destruction qui euh, à voir avec l'innovation dans la recherche, euh, vraiment regarder des manières dont on peut augmenter la capacité en dehors de, du monde universitaire qui peut être critique vu les besoins du Canada dans des industries qui ont besoin de d'éléments de, de de, de, de personnels très qualifiés et dans les nouvelles dans la nouvelle économie euh, on veut mettre en exergue l'importance des diplômés doctorants au Canada les montrer en tant que valeur, euh, qu'élément que, de valeur. Ils ont une difficulté à faire la transition euh, vers le marché. Les diplômés sont préoccupés et bien sûr les employeurs, le gouvernement et l'industrie, tout le monde, le public en général est préoccupé. En tant que panel, nous sentions que nous avons deux euh, responsabilités de prendre bien soin. Premièrement, c'est l'avancement, la, euh, l'évolution des doctorants. Ils sont passionnés, ils veulent contribuer. Ils ont, c'est des gens qui mettent beaucoup de pression sur eux-mêmes. Euh, et les programmes, les investissements que eux font, que nous faisons, l'investissement que nous plaçons sur eux, peut créer de la valeur. L'autre euh, euh, diligence, c'est envers le Canada, l'environnement, notre société, et c'est important euh, que les PhD, les doctorants soient considérés en tant que ressources pour le pays. L'économie de savoir, il y a un manque de compétences, une lacune de compétences, le besoin de fomenter la créativité, l'innovation, alors que le Canada émerge en tant que leader. Il faut que les doctorants soient considérés comme une ressource appréciée pour qu'ils puissent connaître le succès dans l'avenir. Je vais m'arrêter. Je vais repasser la parole à vous, Eric, pour la session de questions-réponses. Merci. Ben, merci. Vu le volume de messages. Je pense qu'il y a un, une très grande curiosité et beaucoup de commentaires très stimulants provo provoqués par votre intervention. Nous avons une équipe de hauts volets qui travaille dans les coulisses pour prendre les questions euh, des gens qui travaillent sur. On va pas pouvoir aborder toutes les questions. Mais on va tenter d'aborder le plus grand nombre poss possible de questions pour euh, faire un suivi plus tard. Donc, Elisabeth, je pense que je, on va commencer par ce format. Je vais vous poser une question. Vous allez pouvoir faire vos commentaires. La première question, c'est que on n'a pas mentionner le besoin de doctorants diplômés de titulaires de doctorat en gouvernement dans la fi finance dans tous les départements gouvernementaux provinciaux et nationaux est-ce que le panel a pris en, en considération le nombre la demande de titulaires de doctorat dans le secteur euh, industriel comme j'ai vu dans un des, on a vu dans un des diapos on a fait la ventilation des destinations des doctorants. Euh, le secteur public, euh, pour généraliser, représente 10 Et des programmes prometteurs, il y a un programme fédéral qui tente de faire appel à des titulaires de doctorat pour des secteurs de, de création de politique. Et nous espérons, en tant que panel, en conjonction avec le gouvernement, que eux, euh, en regardant notre rapport et qu'ils font un travail de réflexion sur nos résultats, puissent regarder des améliorations dans le dans le gouvernement. Il y a moins de capacités dans le gouvernement en soi, mais c'est quand même un secteur important. Et je pense qu'il j'espère qu'il y aura euh, au niveau provincial et fédéral qu'il y aura des questions posées sur l'appel au, au corps des, des, des doctorats dans le gouvernement. Euh, on va tenter de couvrir autant de terrain de possible. Évidemment, dans un rapport de telle envergure, il y a un une limite de ce qu'on peut prendre en considération. On n'avait pas suffisamment de temps pour prendre en compte la pandémie, par exemple. Mais en regardant les données, je pense qu'il y a. Un... Notre audience veut savoir les défis rencontrés par votre panel sur les lacunes rencontrées. S'il si y avait des données sur les lacunes, ça, pourrait être ça pour, aurait pu être intéressant. Peut-être euh, sur la, la voie de la, de, de la permanence, euh, euh, les postes menant à la permanence, euh, le, le tenure track. Peut-être qu'il y avait des lacunes, des données qui n'étaient pas possibles. Est-ce que ça avait eu un impact sur le rapport Certainement, un hein, des défis. Pour le panel des experts, c'est limiter l'étendue, euh, évidemment, la charge de, 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 de travail euh, dans, dans ce rapport. Mais pour tout ce qui est des bourses, euh, des, des bourses postdoctorales, euh, des doctorants qui quittent le Canada, qui reviennent au Canada, c'est un défi, par exemple. Il y a un manque de données sur le côté EDI, après la diversité et l'inclusion de la part de groupes euh, euh, sous-représentés. C'était un défi pour nous. On a parlé euh, du genre, mais on n'a pas regardé d'autres groupes sous-représentés. Et franchement, il manque de données dans ce secteur. Donc, c'est le défi. Où les doctorants sont employés, qui sont dans des rôles de transition, le temps pour lancer une carrière, ce sont des questions importantes et il n'y a pas des données explicites qu'on pouvait prendre en compte pour le rapport. En tout, je dirais que oui, ça devrait être poursuivi dans la recherche et, la, et les enquêtes. Tous les rapports qui ont une limite euh, vont laisser euh, pour compte un certain nombre de thèmes, mais nous espérons que nous ne faisons qu'entamer euh, le dialogue. Euh, une autre question, un peu différente, la formation interprofessionnelle, les questions de superviseurs, la formation, le soutien à, aux carrières, les conseillers de carrière. Est-ce est que est, ça devrait être le, sup, le rôle du superviseur de doctorat, Quel était le rôle que ce thème a joué dans votre rapport Absolument. Tout le monde qui a été superviseur ou qui a fait une thèse, le lien entre ces personnes est essentiel. Ceci ça a établi un environnement dans lequel le doctorant va évoluer, euh, établir les attentes, euh, de, les, les attentes qu'un qu doctorant pourrait avoir dans sa vie pour, son, pour une carrière. Les superviseurs devraient être de meilleurs accompagnants, mentors. beaucoup, beaucoup ne vont pas entrer dans une carrière vont entrer dans une carrière non académique et il faut les préparer pour cette euh, marché du travail plus diversifié. Il y a un nombre de programmes qui sont en train de mettre en place euh, ces programmes. Ils travaillent avec les superviseurs, ils travaillent au niveau institutionnel pour que les titulaires de doctorat puissent prendre des euh, faire des, 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 des formations. Euh, c'est une question d'institutionnaliser. Parfois, c'est le corps enseignant, les superviseurs ne soutiennent pas autant leurs étudiants pour les encourager à, à utiliser ces programmes qui pourraient exister. <laughs> c'est une responsabilité partagée. Et il faut vraiment être axé sur l'étudiant, développer des initiatives, des approches qui vont être... Au service de l'étudiant et à travers l'étudiant, notre pays et notre société. Merci. Je vais faire un petit pivot et encore une fois, merci à vous tous qui sont en train de partager vos questions dans la, dans la fonction QA au bas de l'écran. Il y a toute une équipe qui est là pour recevoir et filtrer vos questions. Il y a un document Google qui vous laisse savoir ce qui se passe en coulisses pour pouvoir euh, suivre euh, cette euh, dialogue en exergue. Et pe peut-être que vous pouvez peut-être continuer vos commentaires sur le thème de comment nous sommes en train de former nos nos titulaires en doctorat pour des positions à l'extérieur de l'université actuellement. Est-ce que c'est que l'industrie ne reconnaît pas ses compétences ou que les compétences n'existent ne, pas Est-ce qu'il y a des différences dans l'aspect disciplinaire, dans l'approche disciplinaire des individus, la culture disciplinaire Vous avez parlé du, du rôle des doctorats en gouvernement, en sciences. Peut-être euh, vous pouvez faire un, une petite réflexion sur les positions qui ne sont pas à l'université. Tous vos commentaires sont très euh, valides, Eric. Ce n'est pas une chose unique. Quand je regarde du côté des employeurs, il y a eu des briefings intéressants de MyTax. Leur programme est justement de faire la complémentarisation entre les doctorants, les postdocs et l'industrie. Souvent, l'industrie n'est pas consciente de la valeur qu'ajoute, qu'offre qu un titulaire de doctorat. Parfois, c'est une question de langage, euh, de comment ils s'expliquent sur leurs connaissances, sur leurs compétences. Une fois qu'ils ont un titulaire de doctorat sur leur équipe, soutenu par leur programme euh, MyTax, là, euh, tout d'un coup, ils sont, tout d'un coup, ils comprennent. Euh, après, il y a le côté des titulaires de doctorat, leur euh, mentalité, c'est-à-dire comment ils font pour transférer leurs compétences et leurs connaissances et le mettre dans une rubrique, dans un, une lexique qui est intéressante, qui attire l'industrie. Euh, souvent, on a écouté des, des anecdotes où l'étudiant, euh, euh, très tard, en fait, dans sa, son développement, voit qu'il ne va pas faire une carrière universitaire. Alors tout d'un coup, il se pose la question en toute hâte de ce qu'il va faire dans sa vie. Et donc c'est une question de bien, euh, de bien savoir comment euh, parler de son expérience, de, de bien l'arrondir. Par exemple, de poser des questions didactiques. Que veut dire travailler en équipe Quelles sont les fonctions euh, à compléter dans une entreprise Des compétences de communication. Toutes ces choses que peut-être euh, quelqu'un qui a un, un bachelier comprend à 21 ans, alors qu'un doctorant ne va pas aborder ces questions jusqu'à la mi-trentaine. Donc, comment ajouter ces compétences euh, quand vous êtes au point d'être titularisé et comment ajouter ces compétences quand vous, vous vendez sur le marché euh, du travail donc c'est pas une question qu'il y a un côté qui a tout compris et l'autre euh, qui n'a rien compris c'est comment euh, promouvoir les dialogues pour euh, promouvoir le dialogue entre ces deux parties, les doctorants et l'industrie pour que on puisse dynamiser les échanges pour que ces sociétés puissent en profiter. Euh, il, il J'ai pris quelques exemples, mais il y a d'autres qui tentent de faire la culture des silos pour que les gens puissent euh, exploiter, bien exploiter les, les titulaires de doctorat. Les changements démographiques dans la société... Euh, sont vraiment à la une. Euh, je viens de lire The Hundred Year Life, c'est un livre. Euh, Quelqu'un qui est né aujourd'hui ou dans les cinq années passées a une chance de survivre jusqu'à 100 ans, ce qui est une idée assez incroyable. Euh, c'est plus la vie des trois silos, l'éducation la mise en application des connaissances et puis la retraite. Ça change la donne. Mais est-ce que vous pouvez euh, parler un peu plus de cette question euh, Est-ce que vous parlez un peu plus des différents silos et leur intersection Il y a des questions sur l'industrie. Il y avait une question tout à l'heure sur le gouvernement. Est-ce que vous vouliez faire quelques commentaires sur l'environnement universitaire en soi parce que on ne pense pas simplement à ce qu'il y a à l'extérieur de l'université. C'est important pour le rapport. Mais en tant que ex président ancien président et chercheuse aussi, euh, quelles sont les meilleures pratiques au sein de l'université Est-ce euh, qu'il y a des universités Vous n'avez pas besoin de les nommer. Mais est-ce qu'il y a des exemples de pratiques du côté universitaire qui sont. Euh, des bons exemples. C'est une bonne question. Éric, le panel des experts en a beaucoup parlé parce que tous ces programmes, ai, je l'ai mentionné dans le rapport, je vais revenir là-dessus, on tente de faire en sorte que nos titulaires de doctorat aient plus d'opportunités, soient mieux utilisés en tant que ressources en dehors de l'université. Mais ces mêmes réflexions ont eu un bénéfice à l'intérieur de l'université. Plus de travail d'équipe, plus de communication, par exemple, plus de gestion de projet, des compétences de gestion de projet. Je le dis surtout en tant que président de l'université. Tout ceci offre des bénéfices, des avantages à l'environnement universitaire. Et mon espoir, et on en a parlé dans le panel, c'est que dans le, la culture universitaire, c'est qu'il y a une évolution constante, la responsabilité qu'un superviseur peut entrevoir, leur responsabilité envers leur doctorant, leur rôle pour soutenir ce doctorant qui investit tout son temps et son énergie et une partie de sa vie productive dans des études, alors le superviseur doit euh, vraiment améliorer leur capacité de soutenir l'étudiant. On commence à voir une, euh, une, un changement euh, au sein des universités euh, pour ce qui est de la responsabilité des superviseurs, l'évaluation de la qualité de la superviseur, du corps enseignant, reconnaître ceux qui font bien ce genre de travail, parce que l'université en soi doit euh, changer. Et en tant que euh, parrain et bien sûr euh, le gouvernement fédéral les les organismes de financement, euh, dans, en communication avec le Conseil, ça fait partie d'un écosystème où les organismes doivent soutenir, les organismes fédérales doivent soutenir et valider cette culture universitaire par leur communiqué. Donc il faut tous travailler ensemble pour voir comment on peut soutenir nos titulaires, nos candidats, et que ce soit pour une carrière au sein de l'université ou des opportunités à l'extérieur. Il y a des exemples magnifiques, certains, euh, on a touché sur des rapports, euh, de, il y a l'exemple du travail qui tient lieu à l'université de McGill dans certains de leurs programmes, la recherche qu'ils font dans les sciences humaines. Euh, c'est tellement important, c'est tellement vital, parce que parfois c'est beaucoup plus évident. Euh, dans les, dans les disciplines STEM, mais dans les sciences humaines, il faut aussi négocier et parler de comment soutenir les titulaires de doctorat. Ça va ouvrir le dialogue et ça va changer la culture universitaire. Euh, Ce n'est pas du nouveau de la présidence de l'université, ça doit commencer par le bas. C'est un travail de proximité. C'est une question euh, très large, mais je crois que. Bon, nous avons encore un peu d'espace pour euh, une autre question. Donc, euh, euh, du, de l'intérieur euh, du pays vers l'extérieur, nous avons une considération de la perspective internationale sur ceci. Et moi, je me demandais si euh, vous euh, pourriez euh, partager. Euh, euh, vos idées euh, par rapport à la comparaison du Canada avec les autres pays euh, et des doctorants euh, qui font euh, la transition vers euh, le marché du travail. Je sais que euh, c'est un thème même encore plus large, non, mais euh, certainement euh, je peux euh, rappeler. Euh, euh, et notre auditoire, que nous menons des enquêtes par rapport à la compétitivité du Canada dans le domaine de la technologie, parmi d'autres, et si nous avons la capacité d'avoir des bourses. De... Mais je me demandais si nous pouvions nous penser à d'autres cas tels que l'Australie, nos amis du Royaume-Uni. Je crois que nos amis britanniques regardent cette présentation. Donc, si vous pourriez nous partager seulement un petit peu par rapport aux ressentis vers l'international, ce que rend le Canada différent, comme je l'ai mentionné au cours de ma présentation, c'est que si nous considérons des choses comme le pourcentage en fonction du PIB, non seulement... Et il y a une différence avec les États-Unis qui est importante, mais aussi avec les, nos autres partenaires de l'OCDE. Donc ici nous avons les doctorants, mais non seulement eux. Ici nous devons aussi soutenir les dynamiques que nous regardons, que nous constatons, et euh, au sein de ceci euh, comment nous, euh, nous menons à nos activités et aussi quel est la, le rapport avec et les universités, le secteur privé et d'autres secteurs. Nous avons beaucoup de travail à faire dans, euh, euh, comme beaucoup d'autres pays et, et sans doute nous devons être. Euh, 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 plus adaptatif, euh, surtout si nous nous comparons avec les États-Unis. Donc, si nous avons ici euh, une option euh, pour euh, les docteurs, mais non seulement au Canada, mais aussi dans euh, les autres systèmes, parce que le système, la valeur euh, euh, accordée à, à, à un doctorat dans euh, cet environnement, et nous voyons ici euh, des choses intéressantes euh, de la part de l'Australie, où euh, une partie de, du défi est que beaucoup de postes, beaucoup d'emplois, ben, on ne dit pas, il nous faut un, un doctorat. Donc euh, alors comment est-ce qu'on fait correspondre si quelqu'un a un doctorat, comment est-ce qu'on cette personne peut comprendre euh, qu'il peut euh, qu'elle pourrait euh, contribuer à ce rôle, non? Euh, ce qui se passe en euh, euh, Australie, il y a un travail euh, par rapport à la publicité et des emplois qui sont euh, pertinents pour euh, le doctorat, parce que je crois que c'est là où nous avons l'un de nos principaux euh, défis et d'être capable de considérer cette situation. Donc, euh, il nous faut euh, une perspective élargie. Nous avons euh, d'autres exemples dans d'autres pays. Nous avons l'université du Denver. Et avec des modèles de surveillance, de mentorat. Et donc, et j'ai lu des rapports non à travers le pays et nous avons ici, un, nous constatons un grand intérêt dans ce rapport parce que moi je crois que tout le monde a ressenti que pour certains diplômes, le Canada a quelques aspects qui lui sont caractéristiques et aussi à son économie. Et la recherche, par exemple, chez les entreprises, et ceci pourrait rendre les choses même encore plus, plus difficiles pour nous. Donc merci d'avoir passé ce temps avec nous. Donc nous comprenons et nous avons beaucoup d'intérêt en ligne par rapport à ces situations. Je voudrais te remercier pour nous partager et ta vision dans ce panel et d'être un partenaire une partenaire pour nous. Nous allons travailler au cours des prochaines étapes. Merci tout le monde. Et je redonne la parole à Ian. Ian, la parole est à toi. Oui, merci beaucoup Eric et à la docteur Cannon. Quelle présentation précieuse. Et nous avons la boîte du chat qui est remplie, qui est bondée des commentaires. Donc nous avons une séance géniale. Mais notre séance, bah, nous pourrions avoir deux-trois heures d'avantage. Mais bon, nous devons passer à la séance suivante tant que la parole est à vous, Madame Lennard. Merci Elisabeth pour cette présentation précieuse. Eric pour en être le hautes et aussi au panel d'experts. Donc moi et j'affirmais avec euh, et, et la tête. et Oui, euh, euh, nous pouvons voir euh, toute cette situation. Considérer euh, le nombre et au lieu de, de réduire le nombre, nous devons euh, penser à d'autres façons pour les intégrer et aussi à, à comment nous pouvons faire venir tous les secteurs et comment. Euh, bon, je trouvais ceci très très intéressant, très inspirateur à tout l'auditeur qui à tout qui nous a joint aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez profité de cette séance. Euh, et pour ceux euh, qui restent que vous pouvez euh, avant de passer à notre séance suivante, nous aurons une vidéo. Merci tout le monde. Au revoir.